Salut tout le monde, aujourd'hui, c'est mercredi, le 17e de ce mois d'août de cette année 2022. Me revoici dans cette vidéo au sujet de toute la belle France concernant des traces d'une civilisation française au Vietnam. Je voudrais dire que, comme vous le savez, comme je me suis bien manifestée avec succès dans le sentier français, je sais que pour mes parents en tant qu'avant-propos, c'est toujours l'amour envers deux mères de ma vie. Ma mère vietnamienne pour le processus de m'élever afin que je puisse voir la belle mère France dans ma vie maintenant. La belle mère France concernant la langue française, sa langue maternelle, c'est le qui m'a toujours donné un grand cache. En parlant de cette matière, je voudrais dire que je voudrais continuer à vous parler à fond de l'effet d'une civilisation française établie au Vietnam sur moi-même. C'est-à-dire, maintenant que je vous parle de cette matière, je veux dire que cela me fait penser à ce qui s'appelle l'eau de Javel. Comme vous le savez, je sais que je vous l'ai dit plusieurs fois, mais étant donné l'importance de ce mot, de ce qui s'appelle l'eau de Javel. Je voudrais mettre en relief le fait que durant les années d'habitation au Vietnam, même à l'âge de 8 ans, ce qui s'est fait entrer dans la tête et dans le cerveau d'une jeune fille à l'âge de 8 ans, moi-même, tout cela m'est venu à la façon des choses quotidiennes dans ma vie quotidienne, telles que ce qui s'appelle l'eau de Javel. Maintenant que je vous parle de cette matière, je me rappelle les fois où j'ai vu une mère vietnamienne utiliser l'eau de Javel. C'est-à-dire, je voudrais dire que le cerveau de moi-même, du passé, d'aujourd'hui et de demain, et pour toute ma vie, jamais je n'oublierai le mot français qui dit l'eau de Javel. C'est l'effet d'une civilisation française établie au Vietnam sur moi-même. C'est-à-dire, je peux dire que pour les Américains qui apprennent le français comme une langue étrangère, si l'on dit que le liquide désinfectant, tous les Américains peuvent le comprendre facilement, n'est-ce pas? Mais si l'on dit que l'eau de Javel, les personnes qui ont éprouvé, nourri et chéri des traces d'une civilisation française établie au Vietnam, comme les membres vietnamiens de notre famille vietnamienne, ce sont les seules personnes qui ont l'audace de l'utiliser. L'eau de Javel. Pour le jour d'aujourd'hui, je voudrais laisser parler la poésie française dans mon nouveau poème qui s'appelle « Galant numéro 103 ». Galant numéro 103 m'a menti que c'est la belle France, la mère de tous les cœurs galants, la venue d'une civilisation, des traces d'une belle langue. Oh, maman, ma belle mère France, en vous-même, ma mère vietnamienne. En vous-même, c'est un cœur galant, bien nourri, bien chéri dans la gestation française. Ah oui, maman, comment puis-je vous parler assez? En touriste, en dedans de moi-même. Votre cœur galant de pédagogie, avec moi toujours pour toute ma vie. Ah oui, maman, je dis que pour toute ma vie, tant il convient à tous mes rêves français. La fidélité m'a bien accompagnée dans ce sentier divin pour moi-même une fille vietnamienne. Ah oui, maman, comment puis-je vous parler assez? Votre cœur galant de pédagogie. Pour votre cœur galant, je t'aime.
la sincérité et la tendresse. La venue d'une civilisation divine. De façon que je vois votre cœur galant et que j'éprouve sa langue très douce pour qu'il m'entraîne vers vous-même, la belle mère France, pour que j'éprouve la mère belle France, la légère grand-mère vietnamienne, grand-mère vietnamienne, ma mère vietnamienne, c'est vous-même, maman. Grand-père vietnamien, le père français du Vietnam d'autrefois. Il les voilà devant moi très vivants. La belle mère France et son cœur galant. C'est mon nouveau poème qui s'appelle Galant numéro 103 pour le jour d'aujourd'hui. Comme vous le savez, comme d'habitude, je voudrais vous laisser incomber à votre réflexion sur mon poème pour le jour d'aujourd'hui et à bientôt.